Salut les amis, aujourd'hui on va faire, de la crème pour le visage et pour les mains. Voilà, là je vous fais voir la recette. Voilà, là il y a 6 grammes de cire. Voilà, les amis, là il y a 6 grammes de cire. Là il y a 66 grammes d'huile, 48 grammes d'eau, et là il y a de l'huile, des huiles essentielles. Voilà, là on va commencer à faire la recette. Et voilà les amis, on va commencer à faire la petite recette. Voilà, là je mets les morceaux de cire, les petits morceaux de cire. Voilà, c'est des morceaux de cire. Voilà, il y a 6 grammes de cire. Voilà, il y a 6 grammes de cire que j'ai fait fondre, que je vais faire fondre en même temps que l'huile et l'eau. Voilà, mes amis. Voilà, mettre 6 grammes. Voilà. Là, il y a 66 grammes d'huile. Voilà, il y a 66 grammes d'huile. Voilà, les amis. 66 grammes d'huile. Voilà. Voilà. Là, il y a 48 grammes d'eau. Voilà, 48 grammes d'eau. Voilà. Voilà, les amis. Là, maintenant, je vais faire fondre tout ça au micro-ondes. Voilà, je vais fondre ça au micro-ondes. Pendant 3-4 minutes à peu près de fonte. 3-4 minutes de fonte. Voilà, les amis. Voilà, là, en ce moment, j'ai les huiles essentielles. Voilà, d'amélisse. On peut mettre n'importe quelle huile. Voilà, n'importe quelle huile. Voilà. Là, je vais prendre de l'eau froide. De l'eau froide pour refroidir. Voilà, la matière. Voilà, les amis. Mettre de l'eau froide pour refroidir la matière. Voilà. Là, c'est une recette pour les mains. Ça va faire une crème. Une crème pour les mains et pour le visage. Voilà, voilà. En ce moment, c'est 6 grammes de cire. De l'huile, 66 grammes. Là, en eau, 48 grammes. Et on peut mettre des huiles essentielles de géranium ou d'amélisse ou n'importe quelle. Et voilà les amis. Voilà. Là en ce moment ça a fondu. Voilà, ça fond. Voilà, ça fond tout doucement. Voilà. La matière est en train de fondre. Voilà. Voilà, tout est en train de fondre en ce moment. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est. Ça fond tout doucement. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à laisser refroidir. Voilà, à laisser refroidir les amis. Voilà, tout est fondu. Voilà. Là, je vais rajouter les huiles essentielles en même temps. Voilà. 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 Ben, là j'en ai mis 24 gouttes. 24 gouttes d'huile essentielle. Voilà. Voilà, 24 gouttes. Maintenant, on va laisser refroidir. Voilà, jusqu'à temps. Et ça remue, il voilà, faut laisser remuer. Il voilà, faut laisser refroidir. Voilà. Pour que ça fasse une espèce de mayonnaise. Voilà, mais bon. Voilà, il faut laisser refroidir. Voilà, ça va blanchir. Laisser refroidir la cire avec l'eau et l'huile. Voilà, pour faire une mayonnaise. Voilà, les amis. Voilà, faut laisser blanchir. Voilà. Mettre de l'eau très froide. Et si c'est pas assez froid, vous rajoutez des glaçons dedans. Voilà, les amis. Vous rajoutez des glaçons. Voilà, vous laissez refroidir. Voilà, que ça se fige. Voilà. Là, elle est plus assez froide. Voilà, je vais remettre de l'eau froide. Voilà, remettre de l'eau froide pour que ça se fige. Voilà. Voilà, pour refroidir la matière. Voilà. Là, ça commence à blanchir. Voilà, avec l'huile,
ça va faire une réaction chimique, ça va faire une crème. Voilà. Voilà les amis. Voilà, il faut laisser refroidir. Voilà. Ça va refaire une crème. Voilà, il faut que ça s'épaississe, il faut que ça fasse comme une espèce de mayonnaise. Voilà, une mayonnaise maison. Voilà, je vais essayer de mettre ça. Je vais prendre le fouet, voilà. Voilà, l'espèce de fouet, un espèce de mayonnaise. Voilà, remuer. Il faut que ça refroidisse. Ça s'épaississe. Voilà, que ça fasse une réaction chimique avec la cire et l'huile. Voilà. Laisser refroidir. Voilà, pour que ça refroidisse, que ça s'épaississe comme une mayonnaise. Voilà, pour que ça s'épaississe, voilà, ça commence à blanchir. Voilà. Ça blanchit tout doucement. Voilà. Il faut que ça refroidisse. La matière elle va se refroidir. Voilà. Voilà, je vais remettre de l'eau froide. Voilà. On met encore de l'eau froide. Donc la matière, il faut qu'elle refroidisse. Voilà. C'est surtout. Ça fabrique comme une espèce de mayonnaise, voilà. Il faut que ça refroidisse, que je le remue. Voilà les amis. Comme ça on fait une crème de beauté, c'est-à-dire on peut s'en servir pour les mains, le visage. Voilà, à la cire d'abeille. Voilà, des huiles essentielles, de l'huile de la cire. Voilà, ça va être en train de s'épaissir. Voilà. Laissez refroidir tout doucement, ça va s'épaissir, la matière va s'épaissir. Il faut que ça fasse comme une mayonnaise. Voilà les amis. Faut laisser s'épaissir, là, ça commence à s'épaissir, là, ça commence à prendre forme, la crème. Voilà. Voilà, comme ça on peut faire une belle crème de beauté avec de la cire et de l'huile, des huiles essentielles, de l'huile de noisette.
Maintenant, il faut bien remuer. C'est très long. Il faut que ça monte comme une mayonnaise. Qu'elle soit bien montée et après vous la mettez, vous la conservez au frigidaire pour la crème de beauté. Voilà, vous pouvez vous en servir pour votre visage. Et voilà, les amis, voilà, c'est fait. Voilà, ça y est, la crème, elle est montée. Voilà, voilà, les amis, voilà, ça c'est fait. Voilà, voilà, la belle crème, elle est montée pour le visage. Maintenant, vous la laissez réserver au frigidaire. Et c'est-à-dire, et comme ça, quand on va durcir, vous n'aurez plus qu'à vous en servir pour le visage. Et voilà, les amis, voilà la petite crème que je vous ai fait voir, qu'on peut faire avec la cire. Et voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, les amis. Voilà les petits trucs qu'on peut faire de crème de beauté. Bon, bah, allez, à plus, les amis.